tout le monde, c'est Snickers, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais pas vraiment bien. Tout simplement parce que... Fuck, man, yo, ça me rend tellement fucking pisse de parler de ça. En tout cas, j'ai enregistré pendant une bonne quinzaine de minutes. Et là, eh bien, mon Skyrim, mon ordinateur a décidé de geler. Et j'ai attendu environ une quinzaine de minutes pour commencer. J'ai éteint mon ordinateur. Et quand je l'ai éteint, eh bien, ça a fucké mon logiciel d'enregistrement. Qui est OBS. Donc, une chance qu'il y avait OBS Studio, parce que sinon, j'aurais plus jamais fait de vidéo sur mon ordinateur. J'aurais enregistré sur tout plein d'affaires. Mais disons que j'aurais pas acheté un autre logiciel d'enregistrement. Donc, une chance que t'es là, OBS Studio. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que j'arrive pour resetter mon ordinateur. Puis, aucune des touches marche. J'ai littéralement gelé mon ordinateur. Donc, là, ben là, je l'ai éteint normalement. Ça m'a pas fait de blue screen ou de black screen, en tout cas, une chance. Mais j'ai eu peur pour ma sauvegarde. Je pensais que tout allait être effacé, mais non. Donc, l'épisode précédent, on s'est arrêté devant une grotte. C'est la grotte du croc cassé. Je l'ai faite, je suis rentré. Ensuite, je suis allé à Blancherie pour lui dire que j'avais buté... Ben, non. J'étais allé voir, voyons, comment le guerrier d'Alic pour le soudoyer ou ce qui est son chef... Et j'ai payé sa caution et il m'a dit qu'il était au tailleur de l'escroc. Et c'est tantôt dans la tailleur de l'escroc quand j'ai pitché du feu vers plusieurs ennemis que mon ordinateur a lag. Donc ça fait chier en tabar slack. Donc let's go, hein. Allez, os la petite merde. Donc allez, c'est parti. Donc ça, il y a à peu près rien. Y a-t-il quelque chose ici? Ok, ok, on se calme, on se calme, on se calme. Oh boy, hein? Hey, brûle! Ouais! Brûle en enfer, petite salope. Bon, une chance. Non, ça c'est fait, ok. Ça. Tiens, je vais faire une petite sauvegarde rapide tout de suite. Oh putain de merde, il y a des ennemis. Ah tiens, je vais pitcher une ruine tout de suite, je sais pas si j'ai assez... Eh merde. Ok, au pire, faut que ça, hein, juste... Allez-y, parfaitement, je pourrais ainsi vous poignarder. Vous allez mourir. Allô? Y a-t-il quelqu'un? Où êtes-vous? Allez, bouge ton... Attention. Ferme ta gueule. Là, y a-t-il quelqu'un? Oh, purée de sa mère. La victoire vous sauve, Edgar! Vous n'avez aucune chance. Les vrais ennemis ne reviennent jamais. Putain de PD. Ok, tu veux qu'on se pitche? Allez, on va se pitcher. Va chier. Va chier. Bon, ici il y a max de thunes. À moi l'argent. Allez, c'est fini.
vais aller voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et bonne journée. Voilà. Alors, ça ici, ça. Ensuite, chercher dans le coffre. Oui, je veux ça. Bon, notre petit méchant ici que j'ai cloué par terre tantôt. Ensuite, ici, ça va nous donner. Ah non, peut-être pas. Non, c'est vrai, tantôt j'avais déjà lu. Bon, ensuite, si on regarde juste ici, il va sûrement avoir des petits ennemis. Donc là, on cherche le chef des chefs. Je sais pas si ce que je viens de dire a un sens. Mais en tout cas, oh, c'est ça, il faut qu'on aille tuer le petit chef des chefs. Alikir, attends! Vous avez prouvé votre force. Évitons toute effusion de sang. Je crois que nous avons des choses à nous dire. Arrêtez! Votre venue ici n'est un secret pour personne et vous avez prouvé votre valeur au combat. Parlons un peu, voulez-vous? Inutile de nous battre. Nous pouvons tous tirer avantage de cette situation. Mes hommes ne vous attaqueront pas si vous baissez votre arme. Elle a vendu la ville au domaine Altmeri. Sans cette trahison, Tanet aurait pu résister à cette guerre. Les autres maisons nobles ont découvert sa trahison et elle a dû s'enfuir. Ils veulent que nous la ramenions vivante. La résistance contre le domaine est active à l'enclume. Ils veulent que justice soit faite. Ok, ben. Allô? Je peux vous aider? Elle a vendu la ville aux les autres maisons. La résistance contre le domaine est active à l'enclume. D'accord. Ils veulent que justice soit faite. Non, va. Ok, je me promène legit, ok, legitimately, dans le fucking palais, ok, seul, puis en plus ils savent, y a-t-il au moins des ennemis par là-bas? Non, c'est vrai, c'est le début. Ah tiens, flèche. Tiens, je vole tout ce que vous avez. Contre. Je peux vous aider? Non. Oui. Non. Je viens de te dire non, espèce de paix. Bon, allez, salut! Bonne journée. Ok, bonne journée. Oh non, merde, je vais passer par là. Je m'en bats les couilles. Ta gueule. Putain, faut que je le pointe correctement. Sauve-toi. Ok, ben tu viens de m'attaquer ou tu... Ok, si. Allez, salut! Attends, est-ce que j'ai une tenue complète de... Tenue de l'enclume, botte de rouge garde... attends, j'ai-tu tout? Ça parce que c'est ça. Bon,
Allez, hein, pourquoi pas prendre une petite arc à flèche. Sauf qu'il meurt. Ah, t'es pas game, t'es pas game, hein? Wouah! Putain de sa mort. Ha! Pourri. Va chier. J'entends que toute ma chose se régénère. J'ai mon cri, astuce. Bon, we go, allons le dire à... Pourquoi est-ce que j'ai des flèches sur mon dos, bordel? Bon, allons le dire à la fille que j'ai essayé tout de buter. Ok, oui, nous les avons tous butés. Retrouver, c'est ça, il faut que je retrouve ces dias. Bon, après ça, on va aller voir enfin. Fuck. Les Sustainber de Grisbarbe de marbre. Toi, je peux-tu t'acheter? Fuck, non. Ah oh, oui, c'est vrai. Bon. Here we go, champion, hein. Des nouvelles des Alikir? Enfin, je prenais cette récompense. Je vais rester caché ici un moment. La porte de la chambre est enfin, et on peut aller à Steinbird Chris. Je suis sur vos talons. J'ai juré de porter vos fardeaux. Ok, maintenant c'est assez, là. Passez devant, quoi. J'ai combien d'argent, là? 2000 or. Hmm. Yes, sir. Oh, yeah. Camarade de beuverie. Ta gueule. Allons boire de l'hydromel. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Bon, et bien maintenant, allons s'acheter une petite maison à Blancherive. Allez, montons, 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 montons. D'accord, il est où? Bon, mais on va attendre d'abord, hein. Bordel. Oh, d'abord. Bon.
Attendez, je vais attendre jusqu'au matin dans le lit qu'il y avait ici. Il y a quelqu'un. Va donc chier, c'est mon lit. Va chier. Ça va faire une petite... non, laisse faire, je vais pas voler. Ah ben oui, tiens, pourquoi pas voler? Ensuite... Ah merde, je pensais qu'il y avait une affaire pour remonter ici. On va monter les escaliers pour aller voir. Faut que je me trouve un lit. Oh, oh yeah. Et voilà, même. Oh shit. Bon. Celle-là, je peux-tu dormir? Fuck! Come on, mate! Laisse-moi dormir quelque part. Non, je veux pas attendre. Mais je pourrais bien attendre, mais... Attendez. Si tu me calais, je commence à attendre, ce petit tabarnak. On vous reçoit ici volontiers, mais vous devez respecter les règles. Bon, eh bien, j'espère que cet épisode 5 de Skyrim, elle a été courte, mais c'est parce que là... mon jeu commence à crasher beaucoup, puis ben, je pense que mon ordinateur commence à être un peu faible. Fait que j'espère que t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like, à commenter, à t'abonner à ma chaîne pour plus. Ta gueule, Irilette. Et à t'abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Je te dis ciao tout le monde, and... Peace!